Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais même pas en fait si cette vidéo va être vraiment une vidéo ou si je vais l'incruster dans un vlog ou si je ne vais absolument pas l'incruster ou si elle restera. Je n'en sais rien. On va se poser comme ça, coupé décalé à la bonne franquette sur le lit et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, en fait, pour vous résumer un petit peu les faits, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo avec... J'ai mis un serre-tête de princesse, là, j'ai l'impression d'avoir encore la forme. Donc, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo, un swap, avec Ladyblog. Le principe, c'était de s'envoyer les chouchous de tous les chouchous, de tous les chouchous du monde. Et du coup, bah, nickel chrome. Lady, et je m'en fous, en fait, je m'en tape le coquillage par terre, avait mal compris la vidéo. Au final, elle m'a envoyé une box... elle était un peu pas bien, mais je m'en fous parce que moi l'objectif c'était de lui faire plaisir. Je vous en ai déjà parlé, j'en parle souvent dans mes vlogs, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour la personne qu'elle est, et faut que j'arrête de me focaliser sur les gens qui n'en volent pas la peine et que je me focalise un petit peu plus sur les gens qui en valent la peine. Et cette personne, je pense qu'elle en vaut carrément la peine. Elle est adorable, elle est touchante, elle est rigolote comme tout et je m'inspire énormément d'elle. Bref, ça va, hein, ça va les bisous, les bisous et les câlins. Et donc en fait, je lui avais offert une bougie Bath & Body Works qui était ma bougie du monde, la bougie, je vais vous la montrer, attendez. Alors, je vous la montre après. Une bougie du monde et la bougie, je suis excitée en fait de ouf, et la bougie ne lui convenait pas. Donc je lui avais dit, écoute, la bougie, t'es mignonne, si t'en veux pas, tu me la redonnes parce que moi je la kiffe de ouf. Elle dit, ok, t'en fais pas, je te prépare quelques trucs. Et là en fait... c'est trop fort parce que, en plus c'est marrant parce que bref, j'ai un truc en tête, hein, bien avant ça, j'ai un truc en tête et elle m'a envoyé sur Vinted un truc qu'elle avait réservé et donc j'ai payé, j'étais chercher et je reçois un gros colis comme ça. Ok. Et donc du coup je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. Et donc c'est parti, en avant Guingamp, on ouvre le colis. Ok. Alors, c'est parti. J'ai fait mes têtes de con. Alors déjà, je peux vous dire qu'on a le journal de Quimper. Hein, c'est comment? Bah oui, c'est ça en place. Côte Quimper, Côte Brest. Ok. Ça va me servir pour mon feu. Ça va me servir pour allumer mon feu de cheminée. Elle m'a renvoyé mon swap, en fait, la coquine. T'abuses. Alors, ok. Elle m'a mis... Tu l'as même pas. Franchement, tu lui as même pas donné sa chance. Donc moi c'était cette bougie là que j'adore de ouf, je trouve qu'elles sont super bonnes de ouf. Je me souviens plus, je vous invite à aller voir notre swap que je vous mettrai à la fin de la vidéo, mais je sais plus pourquoi elle la kiffait pas, mais franchement je l'adore, voilà, moi je la kiffe cette bougie. C'est ma bougie préférée de Bath & Body Works. Et toi je comprends pas pourquoi tu l'aimes pas, donc je suis trop contente. Le cadeau piégé. Je suis trop contente de l'avoir de nouveau reçu, c'est la Mahogany Balsham. Pour information, mais je trouve qu'elle sent l'homme. Voilà, bah toi tu trouves pas. Eh ben tant pis pour toi. Elle m'a mis une petite carte, du coup, qu'on va regarder ensemble. C'est trop mignon. Alors, coucou. Voici, enfin, avec 40 000 points d'exclamation, le retour de la bougie et des autres produits non utilisés. Mais pourquoi tu m'as envoyé les produits que tu n'utilisais pas? Tu verras, il y a des petites choses en plus, boîtes plus sachets, qui j'espère te plairont. Quoi? Pourquoi pas ouvrir tout cela face caméra? Je t'embrasse fort Delphine. Elle est trop forte sa carte parce qu'on dirait une carte de Diffoul. C'est trop mignon. C'est les cartes des présentateurs. Et ben écoute, je suis déjà, voilà. Je suis en train de faire une vidéo. Ah, mais pourquoi tu m'as renvoyé? T'aimes pas non plus? Je comprends pas pourquoi tu m'as renvoyé. Pourquoi tu... T'es relou. Pourquoi tu m'as renvoyé les produits que je t'ai envoyés? Ça va être que tu les aimes pas non plus, mais franchement, la crème pour le corps, tu es relou. Oh, t'es relou. Elle m'a... Oh, t'abuses. Elle m'a renvoyé la crème teintée que je lui avais envoyée de Heaven. Elle m'a renvoyé le soin tripolar. Elle est trop mignonne. Elle m'a renvoyé le contour. Tu as même pas utilisé. T'abuses. Elle m'a renvoyé le contour, comme ceci, Nakomi. Bon, je vous invite clairement à aller voir la vidéo en question. Donc, ok, super, hein, merci. Merci beaucoup, bonsoir, on adore. Et donc, elle a fait ça trop bien. Et donc, elle m'a renvoyé d'autres choses. Et il y en a carrément... Je sentais que c'était lourd. Elle m'a renvoyé ça et ça. Enfin, elle m'a envoyé ça et ça. Je sais absolument pas ce que c'est. Je sais déjà plus donner de la tête. Ok. Donc, on va commencer avec ceci. Est-ce que c'est du pâté Enaf ou pas? J'ai l'air concentré ou pas? J'aime trop le packaging, on dirait.
Beetlejuice. Pomme, pomme du jardin, pomme au jardin, épicée. Le trop mignonne. Elle m'a envoyé de la compote de pommes. Le volet sur, elle m'a envoyé de la compote de pommes qu'elle avait fait elle-même. C'est trop fort. Ça avec des yaourts grecs ou yaourts nature ou des petits suisses, ça va être nickel chrome. Merci. Je vais garder son colis pour lui renvoyer des choses plutôt, pas le dire. C'est trop mignon. Donc j'ai un carton Sephora, Kimado et Beniget, pompe à vélo, est super lourd. Gardez-moi tout ce qu'elle m'a envoyé. La meuf, elle abuse. Ok. Donc, mais t'abuses, bordel. Elle m'a envoyé, alors, un sheet mask comme ceci, de la marque Néogène Dermatologie. Je connais pas du tout. C'est marqué en Emery. Ah, c'est marqué en chinois, carrément. Donc, je sais pas ce que c'est. Je connais pas cette marque. De toute façon, je connais pas beaucoup de marques de... Je connais pas beaucoup de marques. Par contre, là-dedans, dès que j'ai ouvert le paquet, il y avait un truc qui sentait trop bon. Ensuite, oh, mais t'abuses, tu m'énerves. Qu'est-ce que c'est que ça? Face Contour Lookbook de Agatha Face... De... Non, de qui? Une palette? De Lookbook. Je suis tellement nulle. Oh, c'est trop mignon. Mais du coup, ça sert à quoi? Alors... Je pense que c'est des... comme ceci. J'aime trop celui-là. J'aime trop celui-là, il est trop joli. Alors, est-ce que c'est une palette de maquillage simple? Bah si, il y a des irisés. Ou alors, est-ce que c'est des highlights, des machins, des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est... Je pense que... Je pense que ça, c'est des... je pense des blushs. Et ça, peut-être le truc que tu mets comme ça, là, le contouring... Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et ceux-là, du coup, ce sera des fards à paupières. Je sais pas du tout si c'est ça. Mais c'est trop mignon. Va rejoindre ma petite... Oh, il y a trop de trucs. Faut pas que je regarde. J'essaie de pas me spoiler. Ensuite, on a de la marque Pelouise. Si je dis pas de bêtises. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça. Une huile éclat du visage. C'est exactement ce qu'il me faut. L'huile qui murmure aux pétales des fleurs. C'est pas l'huile qui murmurait aux oreilles des chevaux. L'huile qui murmure aux pétales des fleurs. Oh, mais j'ai du tout de beauté, ça. C'est trop beau. Il y a mon chouki qui ne veut pas dormir. C'est de toute beauté ce truc. L'huile pour le visage. Ok, je trouve ça trop beau. Prescription Lab. Ah non, Pelouise. Prescription Lab. Ok. Yes. Elle m'avait offert un gommage pour le visage de la marque Michael... Tu me retons. Franchement, que je kiffe de ouf, que j'ai pas fini, que j'y vais avec parcimonie. Et là, elle m'a offert un masque pour les cheveux abîmés. C'est exactement ce qu'il me faut. Ah, ça sent de ouf le miel. Bah oui, il y a du miel, hein, c'est obligé. Au miel de Bretagne et à l'huile de coco. Ça sent grave bon. Bah, j'ai hâte de tester ça. Oh pétard, il faut que je m'achète une loupe comme toi. Elle s'était acheté une loupe la dernière fois. Bien mélanger le masque, ok, parce que ici, tu vois, t'as comme du miel, en fait. Laisser agir 30 minutes. Enduire les longueurs sur les cheveux. Ensuite, un autre produit, pareil, de la même marque. Je trouve ça trop chou. T'es trop un amour, putain, t'es tellement un amour. Crème pour les mains au chanvre et safran de Bretagne. Je ne sens rien du tout. Le Covid est sur moi ? Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas des gens qui vous font « Ah, je te fais la bise, t'en fais pas, je suis vaccinée, ou t'inquiète, j'ai eu le Covid. » Il y a trop des gens qui font ça. Ou « Tu veux boire après moi, t'en fais pas, j'ai pas le Covid. » Ouais, la phrase, c'est « T'en fais pas, j'ai pas le Covid. » Vous l'entendez pas au moins une fois par jour, cette phrase? Alors, elle est très très riche, pour vous dire qu'elle est très très riche. Alors, cette crème, je pense qu'elle est idéale pour le... Comment dire? Pour l'hiver. Tu sais, juste avant de partir au taf, tu vois un peu l'idée? Bon, pas avant de conduire ta bagnole, hein, mais genre avant de partir au taf, quand tu prends le bus ou les RER. Très très hydratante et elle le... Je sens pas qu'elle... Je sens pas... Il y a une petite odeur mais ça va pas faire. C'est quoi que j'ai entendu l'autre jour?
Ça va pas rentrer en concurrence avec votre parfum. Elle était magnifique cette phrase. Ensuite, j'ai reçu une crème lumière visage, effet ultra. J'ai l'impression que c'est une box, c'est ouf. Genre, je vous présente la blessine. J'adore. Alors, de la marque Herborian. J'entends tout le temps parler Herborian, Herborian. Donc, une crème. Je suis excitée. Crème lumière visage, effet ultra radieux. Ok. Donc une petite crème comme ceci, et j'ai hâte de tester parce que j'ai absolument jamais testé de marque Herborian et j'en entends tout le temps parler. Ensuite, un lumilayeur de teint, un primer luminateur, qu'est-ce que c'est ? De la marque VDL, oh, j'adore. Comment ça s'ouvre ? Et puis c'est neuf ces trucs là, t'abuses un peu là. C'est bon, j'ai réussi. Donc, il faut secouer avant l'utilisation. C'est trop beau. Ok, un primer pour le teint. J'ai jamais testé ça. C'est trop stylé. Et un primer pour le teint, un illuminateur pour le teint, c'est exactement ça qu'il me faut, moi, avec mon teint dégueulasse, là. Hein. J'ai jamais testé ce genre de choses. Donc, je pense que ça va illuminer le teint. Ah oui ! Non, je vois pas de différence. On testera, de toute façon, c'est pour le visage. Je ne vois pas de différence. Par contre, ça sent bien. Ça sent le... la crème pour les enfants. Elle m'a fait rire la fois dans sa vidéo. Elle ouvrit sa blissime ou sa je sais pas quoi, là. Il y avait un produit. Elle disait que ça sentait de ouf le bébé qui venait naître. Il m'a fait trop rire. Ah, un petit parfum. C'est trop mignon. C'est trop choupi. L'interdit Divanchy. Ah, j'en ai deux. Ok, alors j'ai l'interdit et l'interdit. Je sais pas pourquoi il y a une différence. Y a rien qui sort. Ah si, ça sent bon. Ça sent bon de ouf. Ça sent la femme. Oh, ça sent... Ah oui, je dis oui. Ça sent la femme de ouf. Ça sent la vraie femme, tu vois. Genre, t'arrives, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, bonjour, hein. La femme. Vraiment la femme, j'adore. Ensuite, l'atelier maquillage. Désolée, je vous oublie. Hein. J'ai l'impression de parler toute seule et qu'il n'y a pas de caméra. L'ombre intense et shadow. Ombre à paupières. Oh, c'est tellement mignon. C'est trop chou. Pour ombre à paupières foncée comme ça, avec un petit miroir. Hop. Ça sent pas. De toute façon, je cocotte déjà beaucoup là. Dark. La couleur, c'est la 1704 Dark Purple, pour information. Donc, violet foncé, tu vois. Dark Purple. Ensuite, j'ai de la marque Couched. Soin corporel, folie stimulante. J'en peux rien, attends. Je sens rien. Reportage, j'ai attrapé le Covid. Je sens pas, je sens rien, mais ça j'ai hâte de l'utiliser avec un petit bouchon comme ça là. À la fin, tu fais ça. hâte de tester. Et c'est marqué. Ah, attends là, c'est marqué avec des huiles essentielles de Le Monde Grasse, de citron et de gingembre et de rosemary. Je sais pas ce que c'est. Rosemary, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, mais j'ai hâte de tester ça. Ensuite, elle m'a offert de nouveau. Ah, je sais pas si je vais tester ça. Bon, allez, on va pas finir con, parce que j'ai déjà testé. C'est un déodorant naturel, en fait, solide à l'argile et à la propolis. Je crois que la propolis, c'est une fleur, si je dis pas de conneries. Toujours de la marque Makybel, c'est ça. Oh, Makybel. J'ai hâte de tester les produits parce que j'ai grave envie d'acheter plusieurs trucs dans la boutique. Pourquoi pas la proposer en partenariat aussi. Donc de la marque Makybel, déodorant solide naturel à l'argile et à l'huile essentielle de géranium. Ok, bon, on va tester ça. Après, du coup, vu que c'est un déodorant comme ça et qu'il n'y a pas, c'est très bien, il n'y a pas de stick, de plastique, du coup, faut voir où tu le poses après que tu l'aies utilisé. Mais pourquoi pas tester. Qu'est-ce que c'est là? Encore de la marque Makybel, mur de Bretagne. Quoi? La confiture de mur redonne du peps à la peau pour les peaux grasses.
C'est trop bien. C'est un savon pour le visage, je pense. La mûre riche en vitamine C et D, exactement ce qu'il me faut, surtout la C, possède une puissante activité antioxydant qui contribue au maintien de la jeunesse des cellules et de l'épiderme. C'est exactement ce qu'il me faut. Un petit savon pour le visage. Il brille, par contre, il est trop joli. Oh, on continue. Je fais un parce qu'il n'y a plus beaucoup. Alors ensuite, j'ai un autre savon au lait de chèvre bio, toujours de la marque Makibel. Et là, ils disent, le lait de chèvre possède des propriétés qui aident à prévenir la croissance des bactéries responsables de l'acné. C'est exactement ce qu'il me faut pour mes boutons blancs dégueulasses. Donc je pense que je vais utiliser celui-là en premier parce que j'ai presque fini le V10. C'est trop joli, ces petits savons-là. Eh, Noël approche, les gars, tu vois, si tu veux faire un petit truc avec plusieurs petits savons-là. Makibel, je trouve ça super joli, en fait. C'est très joli. J'aime trop. Alors, le prochain. Ah, celui-là. Alors, de la marque L'Hydroxyderme. Comme ceci. Quand on met la main comme ça, c'est pour faire le focus. Hein. Alors, c'est un hydratant antioxydant pour tout type de peau. Appliquez ce gel d'eau matin et ou soir sur le visage ou sur le cou sans rincer. Vous pouvez également appliquer en une couche épaisse comme un masque et laisser agir 15 minutes et rincer. Oh, c'est chelou. On dirait vraiment que tu mets de la gelée, tu sais, un peu comme du gel. Ça sent rien. Mais ça a l'air très, 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 très hydratant. Et marqué dessus. Ça a l'air vraiment hydratant. C'est super cool, ça. C'est genre, ça, c'est peut-être le petit truc parfait que tu mets quand tu rentres du taf, t'en peux plus, t'es fatigué. T'as eu super froid et que tu sais que ta peau, genre, je sais pas, si tu fais un taf ou t'es resté dehors toute la journée et que ta peau, elle est... Oui, il y en a. Ta peau, elle est super... elle a besoin grave d'hydratation. Je pense que ça peut être nickel. Ça sent pas. Le prochain. J'aime trop. L'essentiel du Mont Blanc. Je crois que j'ai déjà vu Saint-Gervais Mont Blanc au thermal. J'ai déjà vu ça dans une de tes vidéos si je dis pas de conneries. Alors, l'essentiel du Mont Blanc. Hop. Alors, c'était dans une vidéo ou dans une autre parce que je sais que je regarde. Je sais pas, pas que toi. Pas que toi, mais par rapport à des ouvertures de colis, donc j'ai déjà vu ça. L'essence du Mont Blanc, concentré d'hydratation, réparateur quotidien. Pour toutes les peaux sensibles, dose quotidienne, d'hydratation. Et ça, pareil, c'est une petite base hydratante. Trop mignon, on dirait Volvic. On dirait un truc de Volvic. J'aime trop. Ensuite, il y a plein de trucs encore, quand même. J'ai reçu... Oh, j'ai déjà eu des produits comme ça que j'avais eu en partenariat, je crois, de la marque Save. Je sais que c'est marqué en orthophonique ou je sais pas quoi là, mais moi je suis nulle à ça. C'est un sérum botanique purifiant anti-imperfection. Ben, c'est nickel, j'ai envie de te dire. Avec une petite pipette comme ceci, c'est exactement le genre de truc qu'il me faut pour les petits boutons blancs. Ou alors ça, je pense que tu peux l'utiliser quand t'as un jetard qui commence à arriver. Bah du coup, tu mets un petit truc comme ça. Je pense que ça peut être nickel. Ensuite, un sérum, oh, c'est compliqué, un sérum capillaire concentré de la marque Iki, je crois que j'ai déjà entendu, Iki Natural, oh, tu ne peux rien voir, il y a du ricin je crois dedans, oh, hey, Delphine, passe-moi ta loupiote, ça sent super bon. Un petit sérum que tu vas... Enfin, une petite huile hein, que tu vas mettre sur la pointe des cheveux pour un petit peu redynamiser les pointes. J'ai envie de te dire, ça, c'est parfait. On va le mettre de côté. On va le mettre juste là et qu'on va le mettre dans la... dans la salle de bain direct. Ensuite, de la marque Lution, je sais pas du tout. Un sérum unifiant illuminateur. Eh, hey, toi, tu veux... T'as compris mon problème, hein. T'as compris que j'avais un problème. Je ne suis pas assez illuminée. Alors, unifie le teint et ravive l'éclat. Bah écoute, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a 100%, bordel, j'ai jamais vu ça, 100% d'ingrédients d'origine naturelle et plus de 60 plantes bio là-dedans. Ok. Ok, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de extilité, d'hydrogène, ni d'huile de palme. Et par contre, il te dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte de tester ça. Je le mets de côté aussi pour l'utiliser rapidement. Ouais, qu'est-ce que c'est? Elle m'a mis, c'est trop mignon, Compagnie de Provence. C'est trop chou. Elle m'a mis un savon liquide de Marseille exfoliant aux agrumes pétillantes. Ça sent les agrumes, hein. Ça sent un peu le jus de fruits.
J'aime bien ça, j'ai hâte de tester. Parce que faut que j'arrête, faut que je finisse mes produits avant de tester les autres, mais... grave, trop bien. Ensuite, merci pour le focus. Alors, c'est Ray 1008, l'huile végétale de jojoba bio. Ok. Première production. Ok, bah une petite huile de jojoba. J'ai envie de te dire. Huile végétale obtenue par pression à froid. Grain de jojoba issu de la culture biologique. Bah ça, c'est nickel en fait. Soit tu mets sur le visage, soit tu mets sur les cheveux. Faut pas en foutre partout. Et ensuite, j'ai reçu, alors, de la marque Kimber. C'est comme Quimper, tu vois, mais avec un K. Et un B à la place du B. Sinon, ça fait Quimper, hein. Je sais pas. Si, je crois. Bah, ça fait quand même Quimper, hein. Voilà, ça ressemble un peu. C'est un après-soleil. Je crois que c'est le... c'est le moment d'envoyer ça. Un après-soleil solide à l'huile d'olive et au beurre de karité. C'est marrant, ça. On dirait un palais, le jeu des palais, là. Ça sent super... Wow. Comment c'est possible? Il n'y a pas de mode d'emploi? Ah si, je suis con. Je suis con, c'est marqué dessus. Frottez le savon entre vos mains, récupérez la mousse formée, rincez. Merde, vous rincez. Je suis débile. Ok, alors attends. Oh pétard, qu'est-ce que je suis con. Bah non, mais attends, ils te disent un après-soleil à l'huile d'olive. Normalement, un après-soleil, tu mousses, tu rinces pas. Donc, frottez le savon entre vos mains, récupérez la mousse formée, basique, appliquez la mousse sur le visage, massez et rincez. Oh, ça sent fort. Oh, ça sent bon. Ça sent le savon. Comment tu peux avoir un après-soleil si tu le rinces? C'est chelou. Du coup, je me rince le bras. C'est chelou. Il n'y a plus rien. Je suis dégoûtée. Il n'y a plus rien. Ma poulette. Merci de ouf. Merci de ouf. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que plein de petits produits que j'ai hâte de découvrir et des choses que je connais déjà. Et du coup, j'ai hâte de continuer un peu l'aventure par rapport à cette marque, par exemple. Et plein de... Ça sent super bon de ouf, par contre. Mais carrément. J'ai trop hâte de tester ça. Et t'étais pas obligée, en fait. Ça parce que on s'est mal comprise entre guillemets par rapport à la première vidéo que t'étais déjà de base. Je ne comprends pas pourquoi tu me renvoies mes produits, hein. Et bon, à part la bougie, hein. Mais t'étais pas obligée de m'envoyer autant de gentilles choses, autant de câlins et de bisous par rapport à notre vidéo. Mais je te remercie juste énormément et j'ai hâte d'écouter. J'ai hâte d'écouter ta petite confiture. Mais je te remercie juste énormément de ouf de m'avoir envoyé ce colis de câlins et de bisous. J'espère te relancer l'appareil, même si je sais très très bien. J'ai vu que j'avais des auréoles, mais non. Même si je sais très très bien que tu t'attends absolument rien et que c'est absolument pas le but de ce colis. Je te remercie du fond du cœur. Et il faut que je prenne un petit peu plus le temps de venir vers toi. Et voilà, merci juste de ouf. Je suis désolée si l'émotion que j'avais, j'ai pas réussi à la transmettre, mais je suis explosée de ouf. Dès que je vais couper la caméra, je vais aller faire une petite sieste des familles. Mais c'était le seul moment où je pouvais ouvrir cette vidéo, mais juste... Merci énormément. J'ai quelque chose en tête. J'espère que ça va aboutir. Il faut surtout que je me manne le cul parce que ça fait des mois que j'ai cette idée en tête. Et voilà, je te fais de gros bisous Delphine. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller juste là pour regarder notre premier soif, nos premiers échanges. De gros bisous. Merci Delphine. Et à très bientôt dans une prochaine. Et puis, des... Ah oh.